je me souviens. Il a dit... Évidemment, je ne vais pas te filer le train toute la journée, alors si t'as besoin de moi, t'as qu'à m'appeler. JF! Coucou! Pinocchio! Oh, mais enfin! On n'entre pas chez les gens comme ça! Faut sonner avant! Ah, ding dong! Qu'est-ce que tu fabriques derrière ces barreaux? Bah toi aussi t'es derrière ces barreaux! On n'est pas chez moi ici! Ah, ça sent la brouille à plein nez! On est chez Monsieur Scampoli, le marionnettiste! Et tu sais quoi? Je suis un grand artiste à présent! Même que le public, il a frappé très fort dans ses mains! Et même que ma copine Mimi Padroite, elle a dit que j'étais une grande vedette! Tu te rends compte? Oui, bah je me demande bien quel genre de vedette on peut enfermer dans une cage à oiseaux, hein! Et en plus, j'ai l'air qui brille! Je croyais que tu étais allée à l'école! Et que tu devais rentrer bien gentiment chez ton papa! Mais moi, je voulais rentrer chez mon papa! Mais c'est Monsieur Scampoli! Il a dit... Non. Tu vas rester ici, tout sera bien, et rester questa petite chambre. Et en plus, eh ben, j'ai une fuite à mes yeux. On pleure pas, tu vas moi dire. Bon, on va déployer le plan B. Oui, on va d'abord trouver une armée de 1000 avant de camouflage et ratisser le secteur avant de trouver la clé qui ouvrira ta prison. Et si on trouve pas la clé, on fait tout péter avec ma grosse Bertha. La cage des meubles est fermée. Il va pas l'air bien fêter ton scamp poli. Hein. Bah allez, suis-moi. Je te ramène chez ton papa. Mais fais pas un bruit, hein. Un vrai petit garçon.